La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est désormais également le mien. Merci Aurora 666, bonjour. Alors aujourd'hui, vous m'avez soumis une expérience de sciences sociales mettant en scène une jeune femme de 25, 26 30, ans, ouais, 25-30 ans, quelque chose comme ça, manifestement américaine, très manifestement. très manifestement américaine. Et qui ressemble d'ailleurs, je ne sais pas à quelle date nous publierons cette vidéo, mais nous en avons tourné une autre sur une blogueuse, youtubeuse française. Virginie, Ouais, elles sont un peu toutes les deux girls next door. c'est la cousine ricaine de Virginie. Voilà, c'est la cousine ricaine de Virginie, la ricaine étant évidemment plus maquillée, Plus blonde. plus blonde, plus exposée, avec les couleurs plus saturées et faisant plus de gestes, hein, toujours beaucoup, beaucoup plus spectaculaire le côté ricain. Dans quelle expérience de vie sociale la cousine américaine de Virginie s'apprête-t-elle à se lancer? À quel type de spectacle allons-nous assister? On va le découvrir dans un instant, mais juste avant cela. Deux ans sans séminaire nouveau, presque deux ans, c'était beaucoup trop. Bon, alors à ma décharge, hein, pendant les 18 derniers mois, vous savez un petit peu ce qui s'est passé en France, hein, inutile de vous le rappeler. Mais néanmoins, désormais, dès que possible, en l'occurrence le 25 septembre prochain, 25 septembre, toute la journée à Paris 5e, j'organise le premier nouveau séminaire, on va dire, du monde d'après. Et pour rester dans le ton, pour rester dans le thème, je vous propose le discernement. Et oui, cette capacité à discriminer, à juger, à distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais, les gens de qualité, des gens médiocres, eh bien, je pense que c'est ce qui vous manque universellement. Je passe mon temps à lire des âneries sur les réseaux sociaux et surtout asociaux. Je passe mon temps à lire des gens dogmatiques. Je passe mon temps à entendre des gens qui communie dans le conformisme ou qui communie dans l'anticonformisme, l'intelligence, ça n'est ni l'un ni l'autre, c'est de savoir juger à chaque instant, dans chaque situation, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, des raisonnements qui tiennent la route et des raisonnements qui ne tiennent pas la route. C'est ce que je tente de vous transmettre par le divertissement dans les vidéoscopies, dans les vidéos d'actualité, dans les anecdotes que je vous raconte sur la chaîne, où je vous invite à vous faire des avis sur des personnes en évitant la moquerie, la méchanceté gratuite et en évitant également de succomber à leur preuve sociale ou à leur charme ou à leur beauté ou à leur méthode de communication ou de marketing. Eh bien, ce que nous faisons en babillant légèrement et gratuitement sur la chaîne, là, nous le ferons de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus fouillée, beaucoup plus structurée pendant 6 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Si vous n'avez jamais participé à un de mes événements physiques, c'est l'occasion, c'est le 25, venez me retrouver. Vous en aurez pour votre argent et si vous en doutiez, lisez les milliers ou les centaines, je ne sais plus, d'avis disponibles sur avis vérifiés ou avis garantis, je ne sais plus quand, on vous mettra le lien ci-dessous. Dessous vers la plateforme de certification des avis de mes séminaires. Vous verrez ce que les gens en disent. Et puis justement, faites appel à votre discernement et demandez-vous si les avis sont plus ou moins vrais que ce que vous voyez sur le web. Moi, je connais la réponse. À vous de jouer! Lucy Fink, and this week I'm trying 5 days of spending time alone. FOMO, Aurora? FOMO. Putain, bonne question, je l'ai même pas. FOMO, Fear of Missing Out. La peur de passer à côté de quelque chose. C'est un biais psychologique surdéveloppé par les réseaux sociaux. C'est une espèce d'awareness, donc de conscience de ce qu'il y a ailleurs, mais altéré par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de faire quelque chose de plus intéressant, de plus cool. Qu'est-ce qui se passe à côté? Ça contribue à la perte de la concentration. Are you guys having fun without me? Stop. We live in an age where people are fearful of doing things by themselves because they're afraid what others. Donc tu sais ce que je pense des dissertations et des essais, de toute forme de réflexion qui commence par de tout temps, à notre époque, ou là en anglais, we live in an age, comme disait Madame Potron du lycée Thierry Monnier. Oui, c'est-à-dire qu'en général, c'est foiré, quoi. Ouais, déjà, quand ça commence par de tout temps, ou à notre époque, les gens sont de moins en moins. Non,
La décadence en intro, déjà, c'est... Il y a quelque chose qui n'a pas été bien pensé, là. Oui, c'est marrant ce qu'elle vient de dire, parce que j'avais émis cette hypothèse et cette réflexion dans le cadre de mon programme Timidité, et c'était quelque chose dont j'étais assez fier et que les gens n'ont pas beaucoup noté. Même les membres du programme, très satisfaits, etc., ils n'ont jamais noté ce paradoxe-là. Elle vient de dire, nous sommes très slash trop conscients du regard des autres sur nous, nous faisons... Et j'avais dit, le timide est quelqu'un qui ne regarde personne, puisqu'il n'a aucune observation. Quand tu lui dis quelle tête a cette personne, ou qui y a derrière nous, ou est-ce que tu as vu ce détail-là, le timide ne voit jamais rien. Mais par contre, il est persuadé que tout le monde le regarde. Oui, il voit rien parce qu'il est trop occupé à avoir peur que les autres le regardent, quoi. Et donc du coup, c'est j'imagine que tout le monde regarde tout le monde avec une grande attention, mais moi, par contre, je ne regarde personne. À un moment, non, personne ne regarde personne, dans la plupart des cas, à moins que tu te promènes avec un déguisement de clown ou une jupe et des barésies, et en plus si t'es un homme, le degré d'attention des gens au détail est infime. C'est-à-dire, tu demandes à ton meilleur pote comment j'étais habillé hier, bon, soit c'est facile parce que t'es toujours habillé pareil, mais tu demandes même à ton meilleur ami comment j'étais habillé hier, il n'en a aucune idée. Quand toi, tu as une sale tête, tu dis, oh, regarde, aujourd'hui j'ai une sale tête, l'autre, non, c'est normal. Donc, oui, c'est pour l'instant, c'est pas tout à fait faux ce qu'elle dit. Après, l'angoisse, c'est pas de passer 5 jours seul. L'angoisse, c'est qu'il y ait un genre, en l'occurrence, la jeune femme occidentale, qui considère qu'en dépit d'avoir la chance énorme de vivre dans un monde sans danger, hein, encore une fois, on ne vous demande pas d'être seul sur une route en Afrique du Sud, blanche, tu vois, non. On te dit, t'es dans un monde sans danger, t'habites dans une grande ville. Tu peux librement flâner, aller au resto, au musée. Mais tu considères qu'il est transgressif d'être seul. C'est ça qui est intéressant. L'angoisse vient moins de la solitude que finalement de considérer que le simple fait de s'apprêter à passer 5 jours seul est angoissant. Oui, alors si elle est toute seule, qui filme? Bonne question. Parce que dans sa chambre, la caméra est sur un trépied, donc là la question ne se pose pas. En extérieur, je l'imagine mal, mettre un trépied de l'autre côté de la rue, il y a quelqu'un qui tient la caméra, tu vois. Donc déjà, de base... Ou à minima, quelqu'un dehors qui filme. Voilà, à minima. Ouais. Donc déjà, tu n'es pas seul, tu es seul avec une équipe de tournage ou au moins un Nicolo, tu vois, une personne. Tu vois, nous, quand on commet ce genre de biais, comme moi, quand, par exemple, quand je fais une vidéoscopie et que j'ai déjà un petit peu vu la vidéo avant, je l'avoue systématiquement, je dis... Oui. Je ne devrais pas savoir, mais je vous avoue que j'ai passé le curseur et je suis allé voir de quoi il s'agit. Là, ce qui est bien avec elle, c'est que dans l'éthique de la youtubeuse, il n'y a jamais aucun... C'est un délit total de toute forme de manipulation. Moi, je me serais filmé soi-disant seul avec un caméraman, j'aurais dit, je vous avoue qu'effectivement, j'ai dû avoir recours au service de quelqu'un. Il a été là 1 heure dans la journée, sinon j'ai été seul 11 heures dans la journée, par exemple. Tu vois, non, là non. C'est vraiment compter sur la crédulité ou l'inintelligence de son public. Mais enfin bon, elles sont comme ça, on ne va pas leur en vouloir. I really like being by myself. I like eating by myself. I just always make sure to have a phone or a magazine or something so I'm not like by myself. Bringing this with me to the cafe? Bad idea. I thought that leaving my phone at home would be enough, but as it turns out, bringing a book is essentially the same thing. They both take you away from truly being by yourself. I've realized that people actually bring phones and books with them into public spaces to subtly hide their shame. Ouais, mais là, en fait, la meuf a quoi, 30 ans, 27, 28, 29, 30 ans, quelque chose comme ça, selon l'épaisseur du maquillage, selon la journée, et elle découvre en fait la vie, quoi. Ce que c'est de lire de... Non, pas ce que c'est de lire. Elle découvre que les gens utilisent leurs mains et les objets qu'ils ont sur eux pour meubler les moments de solitude et pour se donner ce qu'on appelle une contenance. Comme la clope, d'ailleurs, entre autres. J'allais dire comme la clope en soirée. Sans blague, quoi. Sans blague. Il a fallu qu'elle se... Tu découvres ça à 30 ans. Ouais.
Le degré d'observation du Pékin moyen... T'as vraiment l'impression que c'est rendez-vous en terre inconnue pour elle, quoi. C'est... No activities are permitted. No cell phone, no book, just Lucy. No book. Je connais, alors, j'ai pas assez de subtilité d'oreille pour reconnaître la région en Amérique dont elle a l'accent. Est-ce que c'est côte est, côte ouest, centre, je sais pas, mais j'aime pas. Non, ça doit être. C'est une grande ville, elle vient pas de la campagne. Elle pourrait... No book. Book. Je dirais que c'est ni côte est, ni côte ouest, mais c'est... Bok. Accent... Dites-nous, si vous avez vécu aux États-Unis, d'où ça vient le bok. No bok. T'as remarqué qu'elle elle parle d'excursion. Elle dit pour ma prochaine excursion solo. Donc ça provient que pour elle, il y a un côté nature, Nicolas Hulot, je découvre un nouveau monde, quoi. C'est une excursion, quoi. Merdoum. Mais c'est la réalité, comme je le disais en introduction. Et on me contredisait régulièrement. Je faisais remarquer... que ce soit en voyage, en déplacement, dans des villes étrangères ou françaises ou quoi, je disais, regardez autour de vous, personne n'est seul, et les seuls gens seuls attendent quelqu'un. Et le passant qui flâne, ou le lecteur attablé, etc., c'est rarissime, à part peut-être un petit peu dans les parcs, mais dans la plupart des lieux de socialisation, il n'y a jamais personne seul, et celui qui est seul est suspect. Comme disait Louis Jouvet, un individu seul est suspect. Et on me rétorque toujours, non, que j'ai mauvais esprit... ou que je vais pas au... Non, moi non. Moi non, je sors tout le temps, très souvent seul. C'est d'ailleurs une question de mon test mesurer votre masculinité, féminité. C'est combien de fois êtes-vous parti seul en vacances au cours de ces trois dernières années? Et toutes les femmes répondent toujours oui, plusieurs fois, etc. Et concrètement, chaque fois que je suis en vacances, je regarde, il n'y a jamais personne seul, et notamment jamais aucune femme. Hein. Waouh. Elle est allée déjeuner seule. Commuting home is my me time if I see one of my coworkers. Donc là, elle vient de découvrir qu'effectivement, quand tu n'es pas occupé à faire ce que les Américains appellent du fluff, eh bien, tu ressens plus le reste. Alors, est-elle sincère? Découvre-t-elle ça à 30 ans, auquel cas c'est inquiétant, ou joue-t-elle la surprise pour son audience? J'ai l'impression qu'elle le découvre. Ouais, moi aussi. C'est... Qu'il y a au moins un bon gros 50% d'honnêteté, quoi. Ouais. J'ai tendance à sentir la sincérité et l'insincérité, et là, je sens pas la comédie. Hein. On pourrait se questionner sur le choix du plat aussi. Est-ce que c'est honnête? Est-ce qu'elle a l'habitude de prendre un triple decker, donc un truc à trois étages, un sandwich au bacon, vu qu'elle doit être quand même assez fit et pas trop obèse? Est-ce qu'elle a besoin de compenser cette solitude par... Ah, c'est pas con. Là, tu fais la psychologie appliquée, oui. Pas con, hein. Par un sandwich, fat, est-ce qu'il y a, je sais pas, un moyen de dire, moi, je suis assez bonasse pour me permettre de manger un gros sandwich malgré tout. Pas con. Je ne sais pas, mais elle prend pas une salade, quoi. Ouais. Donc, bon, passons sur l'hypothèse du sandwich. Dites en commentaire ce que vous pensez de l'hypothèse d'Aurora. Mais... Son sense of taste était explosive. Ouais. Alors, avec l'exagération barbare due à la culture et à la langue, il n'empêche que ce genre de vidéo, et notamment les commentaires associés, te pousse à te demander si tu es surnaturellement développé ou si le Pékin moyen occidental du 21e siècle est vraiment une amibe intellectuelle, quoi. Moi, je pense que la question est vite répondue. Parce que là, les gens semblent découvrir à 30 ans des trucs que j'ai remarqués au collège. Alors, je sais que j'étais précoce, mais enfin, quand même, que les gens seuls faisaient semblant d'avoir une contenance, je l'ai remarqué, ouais, au collège, au lycée, quoi, peut-être même avant, enfin, je ne me souviens plus. J'ai pas mis 30 ans pour le découvrir, quoi. Et qu'effectivement, le chit-chat, le fluff, le badinage, comme j'appelle ça en français, te distrait de tout le reste de ce que tu es en train de faire. Bah, oui, effectivement, vraiment 30 ans pour découvrir ça. Elle est sincère, hein, j'ai l'impression. Coworkers leaving the office at the same time as me, I'll walk four blocks out of my way just to not have to commute with them.
I've been trying to think of things that I can do on my own. And something that I know a lot of creative, bright, intelligent people do is go to museums by themselves. I have never been to a museum by myself. But there's a catch. Instead of sending myself to a regular art gallery, why not mix it up a bit and make me feel super uncomfortable by myself? So I went to the sex museum. Obviously, the fact that it was a sex museum brought a whole new layer into this. But if I'm being completely honest, I wish that I had a friend when I left the museum because I had a lot of questions. My theory is... Là, pour le coup, je remets un peu la sincérité en question. Pour moi, elle n'avait aucun intérêt pour ce musée d'obsédés. Simplement, elle s'est dit, tiens, ça me fera un petit catch, ça me fera un petit moment clé dans la vidéo, peut-être que je pourrais le mettre en exergue. Selon moi, ça, elle l'a fait pour faire des vues. Tu remets sa sincérité en question, moi aussi, doublement. C'est-à-dire que ce choix d'un sex museum, d'un musée du sexe, c'est pas juste comme ça, par défaut, et pas seulement pour catcher son follower. C'est qu'en fait, il y a peut-être une carence de culture générale à la base, et comme objet muséifié, le sexe est peut-être le seul truc auquel elle peut se raccrocher, tu vois. C'est-à-dire qu'elle se trouve devant un Van Gogh, elle ne sera pas trop quoi faire. Le musée du sexe, enfin, c'est encore accessible, quoi. Ouais, j'y pensais, mais j'ai pas osé parce que c'était misogyne, j'ai préféré te laisser le dire. You're eating alone, it doesn't mean that you don't deserve attention. So if you sit at the bar, then you get a lot of attention from the bartender and you get to hit on the bartender. Thursday night, movie night. Elle fait un plan séquence dans chaque pièce. C'est comme si moi, là, pour chaque phrase, je changeais de pièce. Oui, très bien. Pourquoi? Dans quel but? Est-ce que ton audience a un attention span, c'est-à-dire un degré d'attention tellement faible que s'ils te voient deux fois dans la même pièce, ils se lèvent, ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils font? Je crois bien que c'est ça. Ouais. Et c'est des millions de personnes, son audience. Hein. Cette vidéo a fait un demi-million de vues quand même. Hein. Et elle a elle-même 3 millions d'abonnés. Hein. En combien d'années, un demi-million de vues? Un demi-million de vues en 6 ans, certes, c'est pas énorme, mais elle a 3 millions d'abonnés. Alors, sont-ils vrais, sont-ils faux? Cela nous regarde un petit peu, mais en tout cas, méfiez-vous. Hein. C'est très facile d'acheter des abonnés, ce sont des pratiques auxquelles je me suis toujours refusé, mais sachez que beaucoup de youtubeurs et surtout de youtubeuses sont moins regardants. Et alors en plus, la Gironde, là, habillée en noir, comme par hasard, à 3 minutes 29, vient de nous révéler quelque chose qui est quelque chose que les femmes tiennent pour acquis, tellement elles ne l'ont jamais questionné, c'est qu'en fait, dans leur épreuve, là, ce qu'elle appelle l'excursion solitaire, elle rappelle quand même qu'en fait, elle bénéficie d'une attention et d'une clémence de la part du personnel. Là, elle vient de dire, dès que je suis seul au bar, le bartender s'intéresse à moi, etc. J'ai écrit mon premier livre seul au fumoir à Paris. Je peux te garantir que, à l'exception d'un, peut-être, je sais vers quel genre de personnel est l'attention, c'est plutôt vers les femmes, si tu veux. À part un qui était homo, un homme, à moins de laisser des pourliches pantagruéliques à chaque visite, l'attention du barman, l'homme peut être beau, grand, stylé, bien habillé, tout ce que tu veux, ça ne change rien. C'est cacahuète, hein, l'attention du personnel. Le fumoir à Louvre-Rivoli, là. Voilà. Oui, bah oui, je connais. Donc y a, et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, il n'y a même pas d'excuses. Enfin, on cherche des excuses à ce comportement de paresse sociale et intellectuelle qui est la peur de l'individualité, même pas la solitude, parce que tu es entouré, donc tu n'es pas... Solitude ressentie, on va dire. Solitude ressentie. Le mystère de ce qui n'est pas complètement calculé, de l'imprévu, quoi. Ouais, tu n'as même pas l'excuse que les gens seraient durs envers toi. Je veux dire, tout le monde est sympa avec une femme seule, on lui demande si elle est perdue, etc. Le barman, une fois sur deux ou une fois sur trois, lui offre un truc, ce qui ne nous arrive pas. Il n'y a pas d'excuse, en fait. C'est vraiment une insécurité structurelle qui est peut-être pas sans rapport avec également la sous-représentation des femmes chez les écrivains, chez les penseurs, chez les philosophes, chez les compositeurs. Tu ne composes pas la musique à deux ou à trois. Hein. Avec un smartphone, tu n'écris pas à deux ou à trois. Un livre écrit à quatre mains, ce sont des chapitres écrits séparément qu'on s'envoie et qu'on recoupe, tu vois. On a préparé une fournée hier soir, on a jeté des idées sur un tableau, mais ce matin, la remise en forme, je l'ai faite seule, parce que ça peut pas se faire à deux, tu vois. Donc, à un moment, il faut établir des médiations qui font mal,
Mais peut-être que la sous-performance, la surperformance des femmes à l'école vient du fait que réviser à plusieurs, c'est fun et ça peut éventuellement se faire. Tu peux réviser à plusieurs, mais pas créer à plusieurs. Tu crées seul. And this is the night that I have been dreading. I have never been to the movies alone. So I'm gonna challenge. Donc si tu ne vas jamais au ciné, si tu n'as jamais vu un film seul de ta vie, ça veut dire que tu ne vas jamais voir des films qui te plaisent. Ou que tu as des goûts si communs et que tu ne vas voir des choses, tu ne vas voir que des blockbusters pour lesquels tu es sûr de trouver quelqu'un. Et moi, la plupart des films qui m'intéressent, très sincèrement, bon, à part si je suis en couple, j'y vais avec ma copine, mais normalement, elle s'intéresse à la même chose que moi, la plupart des films qui m'intéressent désintéressent 90% de mes amis. Ou ils s'en foutent, ou ils ne les connaissent pas, ou tu vois. Et à la limite, ai-je besoin que quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce cinéaste vienne supporter un truc pendant une heure? Je vais le sentir, en fait, à côté qu'il s'en fout. Ça va être pesant. Tu vas pas apprécier le film. Alors, je vais jamais au cinéma, c'est un mauvais exemple, mais le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est La Cérémonie du thé. À Paris, il y a quelques mois, un film sur des japonaises qui font du thé, ça s'étend sur 30 ou 40 ans de leur vie. Très sincèrement, je me suis pas demandé un instant qui ça intéressait, parce que je sais fondamentalement que personne de mes potes hommes, quoi. Il y a peut-être Kimberley, ça l'avait intéressé, là, dans la vie. Comment tu sais qu'elle s'appelle Kimberley? C'est pas une supposition. Ouais, non, c'est bien. Et donc, du coup, je me suis pas posé 10 fois la question. J'ai pas de passion pour ça, mais... On va dire, par mes lectures d'il y a longtemps, j'ai gardé cet univers un petit peu japonisant, vaguement de temps en temps, où j'aime bien mettre une petite couche. Combien de jours j'aurais perdu à essayer de convaincre quelqu'un d'aller voir ça, puis de trouver un créneau? Il faut que le film passe au bon endroit, à la bonne heure, pour que la personne puisse t'y rejoindre. Qu'elle soit disponible et disposée. Disponible et disposée. Et à la fin, en sortant, elle aurait peut-être lâché le couperet ou la guillotine, ce qui me fait toujours très mal quand j'emmène... Quand j'invitais des gens, par exemple, à assister à la masterclass de Cochet, ou quand j'ai invité parfois des gens à revoir des films qui m'avaient marqué, je me rappelle avec Mélanie. C'était une de mes premières Aurora, Mélanie. Et elle était sortie d'une masterclass de Cochet, qui était quand même un des plus beaux moments de ma vie. J'y pense encore 20 ans plus tard. Et elle avait dit, en étendant les bras comme ça, « Ah, alors, qu'est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on va ?» Et j'avais dit, « Tu viens d'assister à quelque chose d'unique, auquel... tu ne réassisteras peut-être jamais. Ton premier réflexe, c'est qu'est-ce qu'on mange ? » J'avais conclu que j'irais soit avec Alexandre, qui effectivement appréciait à sa juste valeur ce qu'il voyait, Alexandre, mon ancien collaborateur, soit seul. Et je n'ai plus cherché à le faire découvrir à des gens parce que j'ai remarqué qu'il n'était pas sensible, ou il ne comprenait pas, ou il faisait du relativisme. Oui, c'est pas mal, mais ça se discute. On ne sait pas, il pourrait avoir tort. Oui, se sentir obligé d'argumenter. Donc quand tu ne vas jamais voir de film seul, ça sous-entend que soit tu as des goûts extrêmement communs, soit tu ne choisis pas, soit tu y vas pas. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Oui. Donc je vais au cinéma seul voir un film qui ne me plaît pas. Oui, qui veut lui faire peur. Je n'aime pas les films qui font peur, mais je vais me voir un film qui fait peur. Et pourquoi tu fais ça? Ah bah c'est un concept, c'est un package, c'est une expérience. Mais pourquoi tu fais ça? Donc là, tu as une femme de 25-30 ans qui dit qu'elle ne peut pas dormir dans le noir. Effectivement, tu comprends pourquoi cette population-là, confrontée à une contraction du système sanitaire, se met en tilt total et tu as l'impression que c'est la Troisième Guerre mondiale, quoi. Oui, parce que si dormir dans l'obscurité, c'est un problème... C'est-à-dire que le niveau de vitalité, la force, la puissance, dirait Nietzsche, de cette génération, leur défi numéro un, c'est d'éteindre leur smartphone la nuit, d'aller au cinéma seul et de dormir dans le noir. Et une de leurs phobies majoritaires est de ne plus avoir de batterie sur le fameux smartphone. Et tu comprends qu'effectivement, confronté à une mini-grippe, la civilisation s'arrête, quoi. Ouais, il va y avoir 2-3 secousses, quoi. Ah, ça va secouer. Quand le système va se contracter plus violemment que la mini-grippe, ça va secouer très très fort. Hein. To go to the dog park and watch other people's dogs. I once met a guy who knew a guy who wrote a book, and that book was about loving yourself. J'ai rencontré un gars qui connaissait un gars qui a écrit un livre.
L'ours qui a vu l'ours. Ouais, c'est-à-dire, c'est montrer son niveau de proximité avec la vie intellectuelle. Je connais quelqu'un qui... J'entends ça. Je suis assez chamboulé par ce constat. Je trouve ça vraiment puissant. Learn who you are. Learn what you like and don't like when there's nobody else around. I didn't necessarily love being by myself all the time. Even if you feel uncomfortable, force yourself to be in those situations because loving yourself is the most important thing in the world. And then cookies. Love yourself, then cookies. Cookies are maybe better. Are you tired of living alone? Try living with me, Lucy, instead. Subscribe to Refinery29 for more episodes of Try Living with Lucy. I promise I'm really fun. Alors, que dire, légère nausée. Ouais. C'est un petit peu la nausée que tu as quand tu approches du vide, tu sais. C'est pas vraiment le vertige, parce que le vertige, encore, il y a quelque chose de fascinant qui t'attire. Ouais. Là, je suis ni attiré, ni repoussé. Je suis nauséeux. Ouais, parce que la profondeur du concept, là, qu'elle nous déblatère, est un peu puissant, quoi. Ouais, nous a ressorti le connais-toi toi-même de Socrate, La Fontaine, Aristote, de tout le monde, quoi. Et des cookies. Et à l'américaine, quoi. Bon, bref, alors, si vous aussi avez assisté via YouTube ou une autre plateforme à des expériences d'excursion solitaire ou à des expériences de psychosociologie comme ça appliquées qui vous ont bluffé, c'est le moment de les taguer avec le fameux hashtag vidéoscopie, ce qui me permet à moi de les retrouver et de les accoler ou pas à mes expériences, à mes réflexions. Bon, là, c'était plus une expérience qu'une réflexion. On leur a dit de remercier la vidéo avec un pouce ? Non. Il ne me semble pas. Eh bien, écoutez, c'est le moment de le faire pour passer également le bonjour à Lucy, hein, qu'on préfère appeler nous Kimberly, je crois. De vous abonner à la chaîne parce que, comme vous l'avez vu en intro, j'ai souvent un coup d'avance sur ce type de réflexion. Et d'enchaîner avec le reste de ma playlist... vidéoscopie. Je fais comme Kimberly, tu vois, je pointe également du doigt la suite.